Heureux papa de 5 enfants, Omar Sy s'est confié sur sa paternité à l'occasion d'un entretien accordé à Psychologie Magazine. L'occasion pour l'acteur de s'épancher sur l'éducation qu'il donne à ses 3 filles et à ses 2 garçons, nés de ses amours avec Hélène Sy. Entre Hélène et Omar Sy, ce fut une évidence. Interrogée par Michel Drucker sur l'homme qu'elle a rencontré à la fin des années 90, Hélène Sy avait déclaré n'avoir eu aucun doute lorsqu'elle a posé les yeux sur Omar. Il s'est passé quelque chose de particulier en tout cas. On s'est toujours dit après, avec un peu de recul, qu'on avait le sentiment de s'être connu dans une autre vie en fait, avait-elle confié. Puis de poursuivre, je le trouve très humble. Je le trouve particulièrement intelligent. Généreux. Et je trouve qu'il fait bien le distinguo entre ce qu'il peut vivre dans son métier et sa vie privée. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça se passe aussi bien entre nous. Sur les réseaux sociaux, l'acteur et son épouse ne ratent jamais une occasion de clamer haut et fort leur amour, comme ce fut le cas en octobre dernier à l'occasion de l'anniversaire d'Hélène Sy. Au cœur de leur relation, leurs 5 enfants, avec qui ils ont pris la décision de s'exiler à Los Angeles, après le succès d'Intouchable, pour les protéger. Il y a quelques mois, dans les colonnes du Parisien, Omar Sy avait avoué que certains de ses rôles pouvaient affecter positivement ses relations avec ses enfants, dont il est très proche. Moi-même, je suis père de beaucoup d'enfants, j'en ai 5 et j'en ai élevé 7. À chaque fois que je joue un père, ma relation change avec mes enfants. Et ma relation de fils change avec mon père, avait-il confié. Je veux juste qu'ils soient des gens bien sa paternité, Omar Sy la place au centre de ses priorités, et ne s'en est jamais caché. Interrogé par Psychologie Magazine sur ses rapports avec son propre père, l'acteur de 44 ans a également évoqué ses enfants, dont Célie avec qui il assistait au défilé Vuitton en juin dernier, ou encore Tidiane qui semble déjà aussi grand que son père. J'ai un rapport très différent avec chacun des 5. Mais à tous j'ai envie de transmettre ce nous que j'ai pourtant fui, les Peuls, les Sy, le clan. Sy est-il l'histoire dans laquelle j'ai grandi, elle a commencé avant eux, et il me semble important aujourd'hui qu'ils le sachent, pour la continuer. J'essaie de leur donner comme un cadeau sans la pression que, moi, j'ai subi, a-t-il expliqué. Puis d'ajouter, je me suis laissé la porte ouverte à l'extraordinaire, je fais pareil avec mes enfants. Je veux juste qu'ils soient des gens bien, droits dans leurs bottes, honnêtes avec eux-mêmes. Des hommes heureux, des femmes heureuses. Un papa en or, et une famille en or.